Et salut à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour le deuxième épisode de notre Let's Play sur Sonic Lost World. Je vous propose de repartir immédiatement dans le dernier monde qu'on a débloqué. Vous vous en souvenez, lors de la toute première vidéo, nous avions terminé le tout premier monde. Voilà, on avait réussi à finir les 4 niveaux qui composaient le premier monde, la Windy Hill, donc la colline venteuse, on va dire, avec ma traduction merveilleuse. Et aujourd'hui, on va pouvoir se retrouver dans les Desert Ruins, donc les ruines du désert. Voilà, c'est un peu plus simple à traduire cette fois. Donc ce que je vous propose, c'est de partir sur la zone 1, voilà, de ces ruines du désert. Et de continuer tout simplement, on va découvrir ce jeu ensemble. Ces animaux sont franchement décevants, et vous l'êtes encore plus, bande de bois, rien. Ma déception est extrêmement brutale. Nous n'en avons strictement rien à faire de vous décevoir, maître. Et de ça non plus, on n'a rien à faire. La prochaine fois, apportez-moi le meilleur animal. Ah, en tout cas, le docteur Robotnik est très doué pour faire des trucs pour prendre possession de... Mais je fais n'importe quoi. Dès le début, super, pour prendre possession de grands méchants. Par contre, pour vaincre Sonic, c'est pas encore ça. Il a tout plein de trucs pour prendre possession là de gros méchants, visiblement, qui ont l'air vraiment violents. Et par contre, alors, pour arrêter Sonic, c'est pas encore ça. Et bah du coup, on se retrouve dans la Desert Ruins, donc ça me fait... Une nouvelle fois, en fait ça me fait beaucoup penser à du Mario, les environnements, franchement. Ça me fait plus penser à du Mario qu'à du Sonic, presque. Et je dis ça, c'est pas une critique en disant ça, hein. C'est pas une critique de dire ça. Oula, oh là là, oh le bol. Non mais comment tu voulais que je sache? D'accord. Mais non. Je vais croire... Ah, puis voilà, je suis mort, zut. Saleté de truc. Ok, donc je vais pas passer par là. Il y a eu un machin à gauche, je sais pas ce que c'est, je pense que ça devait être un bonus parce que je suis mort... Je crois que j'ai plus de vie en fait. Il me semble que... Maintien, course tourbillon pour tourbillonner sur place. Ah bah tiens, bah un tutoriel, tiens. Tout en tourbillonnant sur place, appuie sur sauter de manière répétée pour charger ta course tourbillon. Lors d'une course tourbillon, maintiens de nouveau course tourbillon pour continuer indéfiniment. Ok, donc c'est quoi cette course tourbillon pour eux? C'est le spin dash? C'est ça la course tourbillon? Ouais, enfin moi j'appelle ça un spin dash, mais... À moins qu'il y ait une autre touche pour faire autre chose. Non. Bon, je ne sais pas, je suppose que ce qu'ils appellent course tourbillon, c'est ce que bah moi j'appelle le spin dash. Mais du coup, pourquoi pas. En tout cas, en plus il y a des triforces de partout sur le sol. Je sais pas pourquoi, ça me fait beaucoup penser ça me fait beaucoup penser à un jeu Nintendo. Bah après tout, le jeu, sauf erreur de ma part, il est sorti sur Wii U. Donc du coup, encore une fois, parce que ces ennemis ont l'air d'être immortels. Faut que je fasse vraiment gaffe. Donc c'est encore un de ces jeux... Bah, un jeu Sega qui sort sur les consoles Nintendo. Bah oui, vu que Sega n'a plus de console aujourd'hui, ils doivent bien sortir leurs jeux sur d'autres consoles. Et du coup les consoles Nintendo bah sont pas plus mal que les autres pour accueillir leurs jeux, malgré leur rivalité ancestrale, on va dire. Mais c'est très bizarre, parfois je meurs en plein milieu et parfois pas. Par contre ils alternent pas mal les passages 2D et 1D, 2D et 3D, ça c'est pas mal. C'est plutôt sympa le fait qu'ils alternent les deux. Ah mais ils sont là les tutoriels. Ok, ah mais d'accord. Donc en fait il fallait comprendre que ces espèces de machins à gauche, ça voulait dire qu'il y avait un tutoriel. Et que pour les activer, il fallait appuyer sur une autre touche encore. D'accord, ok. Donc, ce que j'ai dit la dernière fois, c'était une erreur. Ok, bah excusez-moi. Enfin, là je tourne les deux épisodes à la suite. Le même jour, du coup, ceux qui connaîtraient éventuellement le jeu me l'auront certainement déjà dit, que je racontais n'importe quoi. Mais non, du coup, c'était une erreur de ma part. Alors, excusez-moi, il y a bien des tutoriels, donc, dans le jeu. Il y a bien des tutoriels. Enfin, il fallait deviner que ça voulait dire tutoriel, le truc, là, mais... Ok. Non, ah, zut. Ça, c'est un ennemi classique dans les Sonic, aussi. En tout cas, ils ont l'air d'avoir repris le bestiaire et... plein d'éléments de ce qu'il y a... Ah, bah tiens, bah, zut, il y avait une Rix rouge, là-haut. Tant pis. Il y a plein d'éléments qui viennent de... En tout cas, ça sent que... pas mal Sonic, quand même. Hein. Je dis beaucoup que ça me fait penser à Mario ou à d'autres trucs. Mais les ennemis et tout ça, ça vient quand même bien de Sonic. Tous ces ennemis, on a même pu voir dans la cinématique de la dernière fois... Ok, je sais pas comment j'étais censé esquiver ça. Un truc... enfin, comment le docteur Robotnik crée ces monstres. C'est assez amusant de voir ça parce que bah après tout c'est pas un truc qu'on a déjà, là la vache. C'est pas un truc qu'on a déjà vu. Enfin sauf erreur de ma part.
Dans les jeux, ils expliquaient jamais comment le docteur Robotnik faisait pour créer ses monstres. Et pourquoi les tuer, ça faisait sortir des petits animaux. Ah non. C'est chaud en fait, c'est pas si facile que ça. Enfin, c'est peut-être moi qui ne suis pas encore bien habitué au gameplay, ceci dit, mais comment vous voulez esquiver ça, c'est pas possible. Tant pis, on a atteint la ruine. Parfait. Je vais récupérer quelques rings, ça va. Faire gaffe à ces araignées, ça c'est les ennemis classiques aussi dans Sonic. Ils vous agrippent et puis elles vous traînent parfois sur quelques mètres, puis ensuite elles vous font perdre toutes vos rings. Enfin, comme tous les ennemis en général, mais... Oh non! J'ai failli perdre... Ah, là je suis sûr qu'il y en a un, donc on va pas s'attarder longtemps. Ouais, je fais comment là? Ok... Comment je suis censé se faire là? Ah oui, attendez, il y avait pas un... Ouais, si, ouais, voilà, on peut faire ça. Ouais, mais ça sert à rien. Ok, donc on peut faire des... on peut faire un espèce de rebond par terre, comme ça. Ça permet pas d'aller plus haut. Du coup, à quoi ça sert? Je ne sais pas. Il y avait un moyen de courir contre les murs, en tout cas. C'est ce qu'ils nous ont expliqué tout à l'heure. C'est qu'on peut courir contre les murs, je crois. Ah, comme ça. Ah, d'accord, ok. En faisant un spin dash dans un mur, on rebondit contre. Oui, bah pourquoi pas, après tout, c'est logique. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit dans la fin de la dernière vidéo, c'est que... Il faut vraiment qu'on prenne l'habitude du fait que, bah, on ne joue plus à un ancien Sonic, là. Il faut s'habituer au nouveau gameplay qu'ils lui ont donné à Sonic. Plutôt que de continuer à essayer de s'accrocher aux anciens Sonic, parce que c'est assez clair que les anciens Sonic... Oh, misère le bol. Que les anciens Sonic, on ne les retrouvera plus. Là, je veux dire... C'est pas être défaitiste ou quoi que ce soit, c'est juste, bah c'est un fait quoi, les anciens Sonic, on ne les retrouvera plus. Donc du coup, plutôt que de... Parce que de toute façon, c'est même pas une... Les développeurs des anciens Sonic, déjà, merde. Ils travaillent plus forcément tous sur Sonic, la Sonic Team, elle a quand même énormément changé au fur et à mesure des années. Puis évidemment, bah les consoles ont changé, le public ciblé a changé aussi. Donc forcément, avec toutes ces différences, les jeux sont plus les mêmes. On retrouvera plus un Sonic 3 et Knuckles. On pourra plus retrouver un jeu de cette envergure. Enfin, de ce qui était l'envergure de l'époque, mais... Punaise, il y en a partout de ces trucs. Mais aujourd'hui, justement, le marché des jeux vidéo a énormément changé. Que ça nous plaise ou non. Et du coup, ils doivent bien s'adapter à ça. Même si, chez Sonic, en général, ils s'y adaptent... De plutôt mauvaise manière, mais bon... Il y a toujours quand même un petit peu d'espoir, genre avec Sonic Generations, il y avait un petit peu d'espoir. Avec Sonic 4, malheureusement, ils ont tout salopé avec plusieurs grosses erreurs, notamment le fait de sortir le jeu en plusieurs parties. Mais reste quand même que il y a quand même quelques espoirs pour Sonic. Sonic n'est pas encore totalement mort et enterré. Après, c'est peut-être juste moi qui espère ça, mais en tout cas, moi, j'espère que Sonic ne soit pas mort et enterré. On va passer par là. À gauche, il y avait l'air d'avoir des pics de partout. Moi, je continue d'espérer que... Oh, mais non. C'est impossible à esquiver, ces ennemis, à part ça. Hein. Moi, je continue d'espérer que Sonic ne soit pas mort. Je continue d'espérer qu'un Sonic 3 et Knuckles... Enfin, un jeu... Mais comment? Ces ennemis-là, je les pige pas. Hein. Ils vous envoient un déluge de flammes que vous ne pouvez pas esquiver. Ah, à moins qu'il faut peut-être les tuer avant qu'ils vous touchent, en fait. C'est peut-être ça. Vite. Oui, ça passe, parfait. Oh, oh merde, les gros cactus là. Hop, y'en a fini, parfait. Bon. On a sauvé tout plein de petits animaux, 83. C'est magnifique, il me semble qu'il en faut 300 pour atteindre la toute dernière zone. Donc ça va, les 300, on les aura largement. Sympa ce petit niveau. En plus, ils alternent 2D et 3D, c'est pas comme dans Sonic Generations où vous aviez... Une version en 3D, une version en 2D. Là, ils alternent les deux. Après, j'ai quand même l'impression que le jeu est quand même un petit peu moins réussi niveau gameplay que Sonic Generations. Bon, les phases de 3D de Sonic Generations, elles étaient complètement buggées. Mais les phases 2D de Sonic Generations, elles étaient quand même, il me semble, à mon avis, meilleures que celles-ci. Toi, le gros lard, va donner une leçon à cette petite tête bleue. Hé hey, qui c'est que vous appelez gros lard? Toi. Bon. Dépêche-toi d'anéantir Sonic, et je te donnerai un sandwich encore plus gros que celui-là. Oh bien, sandwich. Oh. Oh. Oh.
Pourquoi pas, effectivement, là. Bon, alors on se retrouve de nouveau dans un de ces niveaux, comme on avait eu lors de la dernière vidéo. Ah, et puis là on est en chute, d'accord, ok. On va esquiver ces espèces de... je pense que c'est ces condors métalliques, là. Non. Ok, d'accord. J'ai pas trop compris comment j'étais censé l'esquiver, c'est pas grave. Une petite rings rouge plus tard. Bon, je pense qu'avec les 5 rings rouges... Oh non! Mais c'était quoi ça? Avec les 5 rings rouges par niveau, je pense qu'il y a... Ah, carrément, game over! Ah, j'avais plus de vie! Bon, bah, ils nous remettent nos vies, puis on est reparti, je suppose. Ok, bon, bah, alors allons-y. Bon, la cinématique, non, ça va aller, on l'a déjà vu, merci. Bon, quoi qu'elles sont pas mal encore, ça va, enfin... Reste à voir encore... Mais... J'ai touché à rien là! Je touchais pas la manette! J'ai pas touché à la manette, il m'a mis de... Je vous jure, je sais que vous allez pas me croire, mais je vous jure que je n'ai pas touché à la manette, hein. Là, le truc, il m'a propulsé dans le vide. Mais... C'est incroyable... Ah, attendez. Voilà, ok, bon, on peut les esquiver comme ça, en fait. D'accord. C'est vraiment bizarre, là, j'ai pas trop compris. Ça, dans Sonic Generations, justement, ces passages en 3D, on était sur un genre de rail, en fait. C'est-à-dire qu'on était sur un rail, en appuyant sur les gâchettes, on pouvait aller à gauche ou à droite. Là, c'est pas le cas. Donc il faut vraiment faire très gaffe. On va esquiver les mouches parce que... Il y a le gros qui est en train de nous parler là de nouveau. Oh, c'est quoi ça? Oh, punaise, mais je vois rien. Enfin, je suppose... Ah oui, enfin, je vois rien. Évidemment, c'est le but de ces trucs, mais... on est dans une ruche, en fait. En fait, on est dans une ruche. En tout cas, les... C'est quoi ce machin? Je ne sais pas, j'ai récupéré un truc, je sais pas ce que c'est. Ah, je pense que c'est encore un de ces machins pour récupérer une rix rouge, je suppose. Oui, j'en ai vu passer une, donc je suppose que je l'ai raté, mais tant pis, hein. Tiens. Et puis du coup, comme je me concentrais sur l'ennemi, j'ai pas vu ce que ça a fait, le 5-4-3 machin, là, ça, je sais pas du tout. J'ai pas fait attention, tant pis, je regarderai ça au montage pour voir à quoi ça aura servi. Alors, par contre, le boss, là, qui parle dans le fond, vous, je pense que vous l'entendrez pas. Et moi, je l'entends parler dans le fond, puis bon, c'est pas... C'est pas forcément très nécessaire. Alors là, j'ai du bol, parce que... Je sais pas si je dois appuyer sur la manette au début ou pas, mais... Bon, par contre, il y a des quand même... Ce genre de truc, là, vous le voyez, c'est très scripté. Hein. Bon, ça a toujours été très scripté dans les Sonic, même dans les anciens, ça. Les passages, vous deviez tuer des ennemis. Voilà, toi, je t'ai eu avant que tu m'en mettes trop dans la figure. Oh, 3 vies d'un coup! Ça, c'est gentil, ça. Ah, puis je suis mort direct. Ok, d'accord. J'allais dire, ok, ça c'est gentil, mais ça veut très certainement aussi dire que bah il va y avoir un passage chaud qui arrive. S'il nous donne 3 vies d'un coup, je pense que c'est pour nous préparer au pire. Ah oui, attaque ce truc, merci. Ah, puis elle respawn les vies. Oh, j'hallucine. Les vies, elles respawn. Ah, ça c'est très bizarre alors. Ça c'est ce que j'appelle Ah zut, bah, j'aurais raté une rings là. Ça c'est ce que j'appelle typiquement le gameplay 2.0. Parce que dans les anciens jeux, dans les vieux jeux, une vie, vous l'aviez une seule fois dans le niveau, et après elle réapparaissait plus. À moins de mourir et puis d'avoir un continu et de tout recommencer. Mais sinon les vies elles réapparaissaient pas. Là visiblement à chaque fois que vous perdez une, et bah elles réapparaissent. Donc là j'aurais pu me farmer des vies. Oula. Ok. Oula. Ok, d'accord, donc c'est un truc qui va nous... Est-ce qu'on doit lui tomber sur la tête, peut-être? Il faut peut-être... Non, attendez, non, il a des pics sur la tête. Il a des pics sur la tête. Je vais pas essayer de lui sauter sur la tête. Ah, il faut peut-être sauter avant que lui ne... Oh. Bah, ça, c'est... Bah, vous voyez, ça, je trouve ça pas mal. C'est pas mal comme idée. Le coup de la plateforme qui tourne comme ça, puis... Ça, c'est pas mal foutu, tiens. Ah, je suis surpris. Ça, c'est pas une mauvaise idée de game design. Non pas que je m'attendais à avoir que des mauvaises idées de game design, mais non, je sais pas, je suis surpris, tiens, c'est plutôt pas mal. C'est marrant. Bon, c'est pas révolutionnaire, hein, mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Ok, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, là, mais... On va éviter de se faire toucher par tous ces machins. Non, là, niveau... Ah, j'adore la tête du... La tête de la plateforme, là. Non, c'est pas bête comme idée. Il y a un boss qui fait tourner la plateforme comme ça. Encore une fois, c'est pas l'idée révolutionnaire du siècle, mais non, c'est pas mal. C'est pas idiot. Bon.
Non. Bon, c'est très facile, j'ai l'impression. On a peu de chances de se prendre un coup et de... Oh. Enfin, je veux dire, on a très peu de chances de tomber de la plateforme. Je sais même pas. Enfin, si, je pense qu'on peut tomber de la plateforme. Là, je l'ai encore eu. Je sais pas pourquoi je me suis fait toucher tout à l'heure. Ah, je l'ai eu. Ah, j'ai l'impression que les boss, ils sont très faciles quand même. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment très faciles. Mais bon, l'idée était pas trop mal, la plateforme qui tourne. Ça a peut-être pas été assez exploité, peut-être. Ça aurait pu être un peu plus exploité, parce que j'ai quand même l'impression que les boss sont vachement faciles. Autant les niveaux, ils sont pas faciles, peut-être parce que moi j'ai encore du mal à m'habituer au gameplay. Par contre, les boss sont assez faciles. Comment sont les niveaux de puissance en bot? Niveau de puissance stable, activation de l'extracteur. Alors, c'est quoi le truc? Réaction instable, il vaut mieux l'éteindre en vitesse, chef, sinon ça risque de surchauffer. Éteins-moi ça! Oh, pourquoi vous avez arrêté, chef? C'était vraiment génial! La machine est devenue instable. On doit juste emprunter un peu d'énergie à la planète. On n'a pas envie de la détruire. Parle pour toi. Tiens, c'est assez rare d'entendre le docteur Robotnik dire ce genre de choses. Oh, ça sent le niveau donut, là. Il y a des donuts de partout. Ça sent le... Ah, ouais, d'accord. En fait, il faut avoir les 300 animaux, mais il faut aussi avoir fini tous les autres niveaux. D'accord, je me disais bien que ça semblait bizarre, aussi. On y a quoi? Ah, bah, à peine un quart d'heure, donc on va continuer, bien sûr. Ah, je sais pas si vous avez vu... c'est le titre Desert Runes. Ils ont rajouté un S pour dire que c'est... Enfin, pour faire Desert Runes. Donc, les ruines des desserts. Ah, ils sont marrants, ils nous font des petits calembours. Non, mais c'est... Non, franchement, bah, je me moque un peu, mais non, franchement, c'est pas bête. Et puis c'est cool, j'ai toujours aimé ça. Ça, dans les jeux vidéo, ça, j'ai toujours aimé, que ce soit... Oh! Oh! Mais qu'est-ce que... Je pouvais rien faire! D'accord, je sais pas ce que c'est que ces machins, mais je pouvais pas m'en échapper. D'accord, donc là, on est bien sur un rail en 2D. Je comprends pas... Mais comment est-ce que j'étais... Mais il y a des fois, j'arrivais à aller... Mais... Casse-toi, Sonic! Ah, ok, en fait, faut bourriner toutes les touches comme un autiste, et puis... Ok, d'accord. Mais... Oh, punaise. Non, puis j'ai raté la rings, du coup, parce qu'il est parti dans le mauvais sens, ce con! Tant pis. On recommence. De toute façon, j'ai 9 vies maintenant, donc ça va, mais... Non, effectivement, j'ai toujours aimé ça. Voilà, les niveaux dessert dans ce jour-là. Ah, mais casse-toi! Je ne sais pas... J'ai bourriné de partout, vous l'avez certainement entendu, hein. Je comprends pas ces ennemis, tiens, c'est très bizarre. Mais enfin, bref. Donc, est-ce que je vais réussir à finir ma phrase? Oui, j'ai toujours aimé les niveaux de type dessert comme ça, avec des aliments de partout. Je sais pas si c'était un genre de tradition, mais à l'époque ça se faisait beaucoup sur les jeux 8 bits ou 16 bits. Oh, hein. Je sais plus comment ils s'appellent ces gâteaux. De toute façon, je vais pas faire de la pub, c'est encore me dire que je suis sponsorisé. Mais ça me fait penser à. C'est pas des Oreos ou un truc comme ça, il me semble, hein. Ou un truc comme ça, il me semble que ça s'appelle. C'est un machin de. Mais non, mais pourquoi t'as loqué Sonic? J'aime pas ces ennemis, voilà, là je. Pourquoi t'es parti dans le mauvais sens, Sonic? Tu fais n'importe quoi, Sonic. N'importe quoi. Ok, alors on est passé dans Donkey Kong Country maintenant. Mais j'ai l'impression en fait qu'ils ont pris plein d'inspiration de plein d'autres jeux et puis ils ont juste collé Sonic dedans. C'est un peu l'impression que ça me donne là actuellement. C'est pas une mauvaise chose encore une fois vu que bah ça permet d'avoir plein de bonnes choses dans le jeu. Zut, la rings rouge. Bon, tant pis. Mais je peux pas les tuer comme ça non plus. Mais comment? Comment? Il y a un truc qui me manque avec cet ennemi, hein. Je préfère passer par-dessus, en fait. Ah, mais attendez, il y a 3 niveaux de charge. Regardez. Ah, d'accord, ça veut dire que selon le temps qu'on met pour viser un ennemi, on va lui infliger plus ou moins de dégâts, c'est ça que tu es en train de dire? D'accord. Mais heureusement qu'il y a un tutoriel qui nous a expliqué ça, dit-il sarcastiquement. Non, mais sérieux. Ok, super. Mais comment je suis censé faire là, à part en prenant 50 000 coups? J'en sais rien, on a pas cessé le principal.
C'est assez marrant quand même, mais ça, encore une fois, ça me fait beaucoup penser à Mario Galaxy, quoi. Mario Galaxy, ou Mario Sunshine, peut-être aussi. Il y avait pas mal de niveaux de ce genre-là dans Mario Sunshine, où il y avait des espèces de niveaux pure plateforme, qui étaient pas mal foutus du tout, d'ailleurs. Qui étaient bien rageants, mais qui étaient pas mal foutus du tout. Non ! Oh, le bol ! Oh, c'est... Attendez, vous allez me dire que c'est un punaise de gros passage secret de ouf, là ? Ah non, ok, d'accord. C'est juste que si on meurt comme un gland, comme moi, ils ont été gentils, ils nous ont mis... Mais j'ai vu qu'il y avait un truc, là, en dessous. Voilà, avec plein de rings. Ça fait vraiment Donkey Kong Country, ça. Ah oui, là, ça fait carrément beaucoup de... Ah bah tiens, il y avait un rings rouge que j'ai raté, du coup. Je dois aller à gauche ou à droite, là ? J'en sais rien du tout. Bonne question, je dois aller à gauche ou à droite ? Ok, on peut esquiver ces... Ah non, zut, je m'attendais pas à ce que celui-là, il nous attaque. Mais on peut détruire ces machins ? Je comprends rien. Ah si, si, on peut les détruire, d'accord. Ah, vite, vite, vite ! Non ! Non ! Si je meurs là... Punaise, le bol. Eh ben, dis donc. Je crois qu'on a fini le niveau, hein. Ouais, ouais. Très crispant, ces ennemis. Ils étaient très crispants. Je les ai pas bien compris, encore. Mais on a fini le niveau, c'est le principal. Par contre, il était super court. J'ai l'impression que les niveaux sont très très courts, parfois. Et parfois, ils sont très longs. Genre, le premier qu'on a fait, il était plutôt long. Mais là, ça va pas durer bien longtemps, là. Puis j'ai trouvé aucune rings rouge, en plus. En fait, on les voit passer, parce qu'on va très très vite... Mais du coup, bah, on n'arrive pas à leur mettre la main dessus. Donc là, je pense que c'est la dernière zone de ce monde. La zone 4, donc, avec un boss à la fin, je suppose. J'aurais juste un mot à te dire. C'est quoi ce sandwich ? Et exercice ! Donne-moi trois mots ! Ah ! Hey ! Oh ! Je crois que je te dégusterai en dessert. On parle pas la bouche pleine, mon gros. C'est ça ! Ah ! J'ai oublié de mettre de la moutarde. Je reviens. Hey, où est-ce que tu prends aller comme ça? Ok, bah ils sont pas très effrayants ces boss, mais... Oh oh, oh là là, il y a une tornade qui nous suit. J'aime pas ça. Ah mais de toute façon c'est scrolling forcé, donc... Tornade qui nous suit ou pas, on peut pas accélérer, donc scrolling forcé oblige. On va prendre notre temps. Attends, c'est moi la myrtille géante. Ah, ça nous donne une vie, d'accord, ok. Donc maintenant j'ai confirmation de ce que ce truc nous donne bien une vie. Voilà, on a sauvé quelques petits animaux en plus, tant pis pour les autres. Hein. Désolé pour vous les animaux, mais ma vie est en jeu là. Tac. Oui, je sais, je suis pas très gentil avec les petits animaux, mais c'est pas grave. On en a sauvé une partie quand même. Bon, ça va, c'est pas trop stressant là pour l'instant le scrolling forcé. Bon, il y a toujours le gros boss là qui nous parle. C'est assez agaçant. En plus, on comprend rien à ce qu'il dit, quoi. Bon, c'est peut-être parce que je parle par-dessus aussi, mais... Ah, mais attendez, du coup, on va... Tu peux creuser avec la vrille jaune. Ouais, ok, mais comment? Je peux creuser avec la vrille jaune. Ça veut dire quoi? C'est machin, c'est des pouvoirs, en fait, c'est ça? Ok, comment ça marche? Mais... C'est bien gentil de nous dire que je peux creuser avec la... Heureusement que là, il n'y a plus le scrolling forcé, hein, mais... Avec... Ah, mais attendez, peut-être avec ce menu, là? Non, bah non, ça nous ouvre ce menu, là. Quoi? Ok, alors j'ai pas du tout compris comment j'ai fait ça, mais alors visiblement, ces machins, c'est des pouvoirs. D'accord, ok. D'accord, d'accord, bon, bah on le saura. Ces machins-là, ce sont des pouvoirs. Et enfin, si, si, j'ai compris comment j'ai fait ça. Enfin, j'ai appuyé sur un bouton, et puis je sais quel bouton m'a fait avoir ça. Mais du coup, bah, je le saurai pour la prochaine fois. Alors du coup, ça veut dire que lors de la première vidéo, on a trouvé plein de ces pouvoirs-là. Et on n'a jamais pu les... Oh là. On n'a jamais pu les exploiter parce que je savais pas qu'il fallait appuyer sur ce bouton. Ouais, maintenant, je le saurai. Vous m'excuserez. Bah, de toute façon, on retestera quand on aura ces autres pouvoirs. On pourra les tester. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller chercher les rings, là, mais... Oula, je dois passer par où, là? Je dois attaquer ces trucs. Ah, ok, d'accord. En l'attaquant, ça l'a annulé, ça l'a désactivé. Ok, je dois le tuer peut-être. Ah non, ok. Il y a une partie du niveau là-haut. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont vraiment essayé de varier le gameplay. Hein. Entre les passages 3D, les passages 2D, ce genre de petits passages, là, ils ont vraiment essayé de varier un maximum le gameplay. Ça, on peut pas leur enlever. Après, est-ce que c'est bien pensé? Je n'irai pas jusque-là, parce que bon, pour l'instant, c'est assez... voilà. Mais...
Ils avaient essayé un peu de faire ça avec Sonic Generations, ils avaient mis des pouvoirs pour donner quelques éléments de gameplay différents. Mais c'était pas vraiment très réussi dans Sonic Generations, c'était même plus crispant qu'autre chose. Genre si vous avez regardé notre let's play à deux avec Vlagamer, un des derniers niveaux là dans l'usine, c'était le pouvoir des couleurs est vide, ok. Il était absolument horrible ce niveau parce qu'on devait se transformer avec Sonic en espèce de machin rose qui crochait au mur, puis il fallait activer des roues dentées, c'était infernal ce machin. Là, ça a l'air déjà d'être un peu mieux pensé. Oh, c'est notre troisième Rings rouge. Et c'est qu'on va peut-être réussir enfin à toutes les trouver. Oula. 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 Mais je pouvais pas aller plus vite. Mais c'est quoi cette blague? Je pouvais pas aller plus vite que ça, moi. T'es gentil, mon coco, là. Je pouvais pas aller plus vite que... Encore une fois, Sonic, il est super... Ah, merde, puis cette fois-ci, j'ai raté la Rings rouge. Bon, tant pis, là, je peux plus revenir en arrière, donc... Ah mais ça veut dire qu'on la garde pas quand on meurt, d'accord, bah c'est bon à savoir. Ok, donc là il faut, par contre il faut commencer à se grouiller là. Ah il y avait un trou ici, d'accord. Bon bah je saurais que, bon bah cette fois-ci je pourrais aller tenter de choper la Rings rouge du coup. J'hallucine, ok, on était censé savoir qu'il y avait un trou ici, pourquoi pas. Mais bon ça c'est comme dans tous les Sonic, ça c'est les Sonic anciens, c'est les anciens Sonic, c'était exactement pareil. Un piège vicieux qui vous envoie... Au fond du gouffre, le bol que je viens d'avoir, je viens de faire n'importe quoi, j'ai survécu par pur bol. Enfin, par pur bol. Pas tout à fait, j'ai quand même fait une action qui m'a permis de m'en sortir, mais quand même. Ah, c'est la fin du niveau, ça? Ah non, ok, d'accord, ah zut. Ah zut, en passant par le chemin en haut, ah zut, j'aurais pu choper des animaux, et en plus j'aurais pu choper une Rix rouge. Bon bah tant pis. Ma foi. Allez, on va prendre un peu d'élan. Ouais, sauf que... merci beaucoup. Scrolling forcé, là. Je préférais éviter de crever, en fait. Je m'en suis sorti. Quoi? Mais... C'est quoi ce cir... C'était quoi ce bug? Non, mais attendez. Vous allez pas me dire que c'était pas un... Alors là, non. Ok, d'accord. De temps en temps, je suis de mauvaise foi. Je veux bien, je râle, alors que... Mais là, c'était un bug. Vous allez pas me dire que c'était pas un bug, ce qui vient de se passer, là. C'était totalement un bug, là. C'était un bon gros glitch. Mais déjà, c'est con, un niveau à scrolling forcé dans un Sonic. C'est complètement débile. Je veux dire, l'idée même de faire un... Super, j'ai foiré le... Oh, puis je suis mort. Génial. Il me reste combien de vies, là? Je crois qu'il me reste quelques-unes, mais... Ah, il me reste 10. Ah bon, ça va alors. Ça va, ça a le syndrome Mario alors. Ce Sonic a le syndrome des Mario récents aussi. Oui, parce que les Mario récents aussi, ils sont pas exemple tour proche. Hein. Le fait d'avoir systématiquement 99 vies et puis plus jamais avoir de game over, c'est pas forcément une bonne chose, mais bref. Non, mais alors, je sais pas qui est le génie qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire un niveau à scrolling forcé dans un Sonic, mais lui, il a rien compris. Ou il a jamais joué à Sonic de sa vie, c'est pas possible autrement. Vous allez pas me faire croire que c'est un des membres d'origine de la Sonic Team qui s'est dit que c'était. Super, j'ai foiré, bravo. Qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire un scrolling, un niveau à scrolling forcé dans un Sonic. Ça par contre c'est débile alors. Alors je sais pas qui a eu cette idée, mais alors c'est absolument évident que c'est pas un des membres d'origine de la Sonic Team. Hein. Parce que ce qui fait Sonic, c'est justement de pas avoir un scrolling forcé. De pouvoir se déplacer comme on veut. Ouais, donc c'était bien ça, c'était bien un bug là tout à l'heure. Donc ok, c'est bien pouvoir se déplacer quand on le veut et où on veut. Ah, tant pis pour la Rings rouge, là j'ai pas le temps de retourner en arrière pour la choper. Voilà, je me suis fait eu, tant pis. Checkpoint. Ah tiens, il avale un gigot lui encore. Bon, un boss. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ok, d'accord, je pense que je devais sauter pour... Ah zut, raté. Ouais ok, donc je pense que c'est ça. En fait quand il tombe, il faut sauter juste avant pour pas tomber sur les fesses comme ce que je viens de faire là. Mais non, mais... Mais quel nul. Là c'est totalement ma faute, hein. Là c'est moi qui suis mauvais là. Oui parce qu'après on va me dire que je m'acharne sur le jeu. Mais non, il y a aussi moi qui suis mauvais, hein. Ça on revient pas en... Ça on le remet pas en... Ça je le remets pas en cause. Alors attendez, comment j'avais fait? C'était ce bouton là, voilà, ok. Ah, puis ils nous refilent des rings, ça c'est cool, ça c'est gentil de leur part. En plein combat de boss. Ah, mais en fait, les rings c'est des flèches en fait, ils nous indiquent où on doit aller. Ok, d'accord. Je suis un peu aveugle pour pas l'avoir vu tout à l'heure, hein, mais bon, c'est pas grave. Parce que je crois qu'il y en avait déjà de cette forme là, donc. Bon, ça c'est linéaire de toute façon, mais.
pouvoir des couleurs et oui, bah oui. Oula, qu'est-ce que je dois faire là? C'est quoi ça? Ok, d'accord. Oh là! Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Mais comment tu voulais que j'esquive ça? Mais c'est complètement con ce truc. On peut lui donner un coup après. Ah mais je pense que je dois faire un spin dash. Non? Mais c'est complètement débile. Je peux pas faire de spin dash sur ces trucs. Mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Mais va dans l'autre sens. Mais non, mais ça c'est... Alors je sais pas si vous vous en... Ouais non, vous allez pas vous en rendre compte je pense. Je pense que vous allez pas pouvoir le voir à travers la vidéo. Mais ça c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est que j'appuie à gauche ou à droite et il ne va pas à gauche ou à droite. Je sais pas pourquoi. Mais toujours dans le problème de l'inertie de Sonic en 2D. Ah, direct. Ok d'accord, c'est à dire que là tout à l'heure on a dû le toucher 3 fois. Là ils nous le font, ok d'accord, bon pourquoi pas. Ça c'est toujours le même problème avec l'inertie de Sonic justement. L'inertie qu'ils lui ont mis en 2D. Ce qui fait que là par exemple je vous jure que j'ai appuyé à fond sur la droite pour faire le spin dash à droite hein, mais non il est parti à gauche. Et ça dans les Sonic anciens c'était pas le cas. Ça marchait pas comme ça tout à fait. Donc, du coup faut que j'arrive à comprendre. Ah mais attendez, j'ai pas ces objets aussi là. Je sais pas comment les activer. Ah comme ça. Ah bah voilà en fait c'est plus simple comme ça. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire donc. Bon je vais quand même lui donner un coup là, voilà. Ah, je pense que ça doit être un truc comme ça, genre qu'il faut passer par dessus. Mais pourquoi il est parti à droite cette fois? Non mais j'hallucine. Je ne comprends pas comment ça marche ces spin dash. Mais je crois que, ouais voilà ça va là, on va pouvoir lui donner un coup, voilà. Je pense encore un ou deux puis il doit être KO. Non ça passe pas comme ça non plus hein. C'est triste hein, mais le plus simple c'est de foncer dans le boss pour récupérer les frames d'invincibilité, sauf que là ça va pas marcher, donc on va réutiliser un de ces objets. Pourquoi ça marche pas là? Punaise le bol. Bon c'est pas mal le coup des objets qu'on peut activer quand on veut, mais bon c'est un peu de la triche quoi. J'aurais bien voulu comprendre le boss en fait. J'aime pas battre un boss comme ça, et puis je l'ai pas encore battu en plus, mais... Et allez. Punaise, là, il va falloir que je le comprenne. Mais je comprends pas ce boss. Je comprends pas comment je suis censé esquiver, il doit me manquer un truc. Il doit me manquer un truc, les amis. Il nous reste 8 vies, donc ça devrait aller, mais... Je suis sûr que ça va être tout bête, en plus. Ah tiens, cette fois-ci, il faut le toucher de nouveau 3 fois. Ok, donc tout à l'heure, c'était un bug, donc une fois de plus, hein... Donc tout à l'heure, encore une fois, le fait qu'il soit barré direct, c'était un bug. Hein, parce que oui, il faut bien le toucher 3 fois avant que... Bon, cette première phase, elle est très facile. J'ai vite compris ce qu'il fallait faire. J'ai vite intuité le truc. Donc ça va, c'est très facile. Alors pourquoi tout à l'heure, j'ai dû le toucher qu'une fois, alors que là, maintenant, je dois le toucher 4-5 fois. À mon avis, c'est ce qu'on appelle un bug. Hein, mais bon, c'est pas grave. Là, ça va faire 5 fois que je le touche, là. Ah, puis il est pas fini, encore. Hein. Mais est-ce qu'il y a des attaques qui infligeraient plus de dégâts que d'autres? Est-ce que le spin dash, parce que là vous voyez, là tout à l'heure, alors soit c'était vraiment un bug monstrueux, soit il y a une puissance d'attaque différente. Parce que là je l'ai touché 6 fois avant qu'il rentre dans cette phase là. Alors que tout à l'heure le toucher qu'une fois a suffi. C'est assez étrange quand même. J'ai dû ne pas comprendre un truc encore une fois. Enfin bon, en même temps on découvre complètement le jeu, hein, ça. Pour ceux qui me découvriraient avec ce let's play, je rappelle bien que c'est bien mon concept de let's player. C'est-à-dire que je découvre vraiment complètement un jeu de zéro avec vous. J'ai jamais joué à ce jeu avant. Je ne sais pas du tout. Mais je peux peut-être faire un spin dash par-dessus lui en fait. Non, bah non, je peux pas faire ça non plus. Ah, oh, tous mes rings ont disparu, super. Ah, si, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord, ok, j'ai compris. Il faut faire un spin dash par-dessus. Ok. Non, mais là encore une fois, vous avez vu la vitesse à laquelle mes rings ont disparu quoi. C'est. Là, ça a pas marché par exemple. Mais je pense qu'il était plus grand. J'ai l'impression que parfois il est plus bas et parfois plus haut. Voilà, bon. Encore un essai, il me reste combien de vies? 5. Bon, du coup, ça va, 5 vies, ça va encore, mais... Punaise, je vois qu'on est déjà à 3 quarts d'heure bientôt. Mais je veux réussir à battre ce foutu boss, quoi. On va pas s'arrêter maintenant, enfin, si je perds toutes mes vies, puis on est game over, bah... Et qu'on doit tout recommencer depuis le début, bah oui. Mais sinon, j'ai envie de battre ce boss. J'ai envie de comprendre. Mais actuellement, je ne comprends pas, voilà. Mais ça doit servir à quelque chose ces blocs qu'il met à gauche, c'est pas possible autrement. Ça veut rien dire qu'ils mettent des blocs comme ça et que finalement ils ne servent à rien. Sinon ils mettraient pas de blocs et puis il y aurait juste des murs quoi.
Ça doit servir à quelque chose, mais à quoi? À quoi, bon sang? Je vais essayer de rebondir encore une fois dessus. Non, ça marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Tout ce que j'arrive à faire, c'est de me faire toucher. Mais j'ai sauté par-dessus. Hein. Mais y a parfois ça passe et parfois ça passe pas, je comprends vraiment pas. Voilà, je suis parti en plein dedans, là, je suis d'accord. Tout à l'heure, j'ai sauté. Hein. Venez pas me dire que je suis de mauvaise foi et que j'ai pas sauté. Je peux pas faire... Bon, là, je sais pas. Là, honnêtement... Voilà, à part foncer dedans, puis... Oh, puis la rings, elle a disparu, j'hallucine. Mais j'ai sauté, bon Dieu! Oh, ça va être lourd, ça. Voilà, j'avais fait ça exactement avant. Hein. Vite, active-moi ça, parce que là, ça m'énerve, là. Ça me gonfle. Je ne sais pas comment esquiver ça et ça m'énerve. Un boss que je comprends pas, c'est chiant. Ça fait au moins 6 fois que je l'affronte, là, et j'ai toujours pas compris comment esquiver ça, à part ça. C'est incroyable, quand même. Ça servait à rien, parce qu'il a encore une fois... Ah non, c'est bon, je l'ai eu. Oh, misère, bon. Pouf. J'ai toujours pas compris, alors. Alors voilà, j'aurais battu le boss, mais sans comprendre comment, alors... Aucune idée de comment... Enfin, quand il était en bas, je pense que j'ai à peu près compris, il fallait sauter par-dessus. Bon, ça marchait une fois sur 15, parce que ça doit être bon skill qui doit avoir un souci. Je me suis pas encore assez habitué au gameplay, je pense que c'est pour ça. Mais alors, quand il est en haut, mais il n'y a aucun moyen d'esquiver, alors. Il doit me manquer un truc. J'affine vos capacités, je vous équipe des robots les plus puissants que j'ai jamais créés, je vais même jusqu'à vous donner un sandwich gigantesque, et pourtant, vous me décevez. Je sais faire preuve de compassion. Ce truc ne me dit rien qui vaille. Attends une seconde. Sonic, je crois que l'arme qu'utilise Eggman, c'est... Tu vas devoir faire sans coquillage. Quelle grossière erreur. Ça m'étonnerait. Depuis quand c'est une erreur de te confisquer tes jouets? Eh bien, depuis que c'est le seul truc qui empêche si c'était en pétard de prendre le contrôle de mes robots, espèce de hérisson sans cervelle. Attaquez les frères! Que cet idiot paye pour nous avoir réduits en esclavage! Qui sait que je décaspille à l'anglais, Tails? Mais j'ai pas envie que tu te fasses griller! Ouais, ce serait bien si on pouvait éviter ça. Arbot, Zubot, au fils de camp! Oh, c'est pas vrai! J'aurais vraiment dû t'écouter, Tails! Non, sans blague. Bon. Un petit changement de situation dans le scénario, tiens. Et on attendra. Ah bah oui, on attend bien un nouveau monde. Ça a l'air d'être un monde marin. Comment il va s'appeler celui-là? J'ai récupéré ce truc parce que ça a prouvé que c'était bien pratique. Ah, la Tropical Coast. Ok. On va récupérer la vie là. Je sais pas si ces machins ils respawnent à chaque fois qu'on relance le jeu, mais là ça a été plutôt pratique pour ce boss quand même, j'avoue. Je pense que pour la prochaine vidéo, je chercherai quand même comment on était censé battre ce boss en vrai. Parce que moi, ça me semble très bizarre qu'il y avait pas moyen de. Non, enfin, c'est impossible qu'il y avait pas moyen de l'esquiver. Donc je me demande vraiment comment j'étais censé faire. Mais du coup, les amis, deuxième vidéo, on a fini le deuxième monde. J'espère que. Ça va pas être aussi rapide que ça qu'on va continuer. Enfin, j'espère que le rythme va pas être aussi rapide que ça. Parce que sinon, on va vite en avoir fait le tour de ce jeu. Mais enfin, bref. J'espère en tout cas que cette vidéo-là vous aura plu. Elle aura duré quand même un petit peu plus longtemps que la dernière à cause de ce fichu boss. Je vous dis à la prochaine, en tout cas. Et surtout, d'ici à la prochaine, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous.